Bonjour à toutes et à tous, et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo Jurassic World depuis très longtemps. Alors je vais vous expliquer pourquoi j'ai pas fait de vidéo depuis si longtemps. J'ai eu des problèmes personnellement, alors vous inquiétez pas, j'ai pas eu le Covid, hein, voilà. Mais on va décliner la musique parce que ça fait très très longtemps que j'ai pas joué au jeu. Il y a des trucs, je sais pas, enfin ça fait un mois genre que j'ai pas joué. Y'a quoi? Déjà il y a un truc VIP, d'accord. On s'en fiche un peu. Il y a un tournoi. Ah bah il vient de se lancer. Bah limite je pourrais participer. Ouais. Le Dilo. Gen 2. D'accord. D'accord, d'accord. Donc j'aurais pas aussi à voir le jeu des titans. Ouais. Alors. J'ai eu des problèmes personnels, donc bon, je vais pas vous dire vraiment ce que c'est. Mais c'est un problème qui a fait que j'ai pas pu faire de vidéo pendant un petit moment. Mais on est de retour. Donc ça c'est très très bien, voilà. Je pouvais plus trop en faire parce que bon j'avais quelques problèmes. Oui. Effectivement. Ah mais du coup là tout est terminé. Ouais. Ouais, il n'y a plus un seul changement. Hein. Ne vous inquiétez pas, il n'y a plus un seul changement par rapport à ce qu'il y avait. Juste regarder. Du coup. Si on voit dans Carnivore. Maintenant fureur d'abord hein, pour voir quel fureur j'ai là. Glycogène 2. Ah bah il est très très puissant l'hydrogène 2. 3400, 700. Ouais, il est bien en vrai. Hein. Il est très bien, je trouve. C'est une belle chair. Donc, en ADN, il coûte combien? Et bah il coûte. Ouais, ça va quoi. C'est pas trop cher, c'est pas trop, enfin c'est pas assez cher, c'est bien. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Ok, bon, y a rien d'intéressant. Donc on va faire, alors je sais même pas, j'ai même pas vu, bon, je sais même pas ce qu'on va faire. On peut faire quoi pour la vidéo? Qu'on va pour la fusion ou défendre votre territoire? Parce que là je viens juste de lancer, hein. Donc je sais pas trop ce qui a, j'ai même pas regardé. Je voulais faire ça en même temps que vous, je voulais découvrir un peu, mais on va tout faire collecter et puis après je ferai les trucs après. Waouh, le T-Rex. Incroyable. Donc, toi on va te placer. Ici, tiens. Boum. Ensuite, le Smilodon, ouais, ça je me souviens que j'allais en faire un autre. Smilodon. Et le pas nouvel hybride, enfin pas nouveau tournoi, parce que, et ben voilà. Et je trouve qu'il est plutôt dégueulasse parce que. On peut pas voir tout de suite, d'accord. Parce qu'il a une très petite tête pour un corps aussi long, je trouve. Donc il n'est pas très beau, je trouve. Mais bon, après, voilà quoi. Les cinocératops sont herbivores, sauf les plus jeunes qui sont omnivores. Ils mangent à peu près n'importe quoi durant leur naissance. D'accord. Bah, s'ils veulent, hein. S'ils trouvent ça bon, autant le faire. Donc. Tac, on fait tout. Du coup là je vais pouvoir m'en faire un très bon. Charge s'il te plaît. Charge. Il veut pas charger. Voilà c'est bon, merci. Tac. On le fait pas passer. Niveau plus. On va récolter ça d'ailleurs. Oui, on va prendre le petit Andros Archus. Tac. Non, je vais pas évoluer. Parce que de toute façon je peux pas faire l'évolution. Alors bon. Donc on va mettre tout. Les trucs importants là-dedans, on va mettre de Cléo, tiens, du tournoi de il y a très très longtemps. Et on va mettre le microposant. Tac. Voilà. Donc je suis désolé. Je sais pas si. Enfin j'espère que je vous ai manqué. Bon après c'est pas grave. C'est pas grave, de toute façon, j'espère que je vous ai pas manqué, parce que sinon ça veut dire que je vous ai fait de la peine de pas avoir pu faire de vidéo, et donc je serais un peu mal, mais bon, après, alors je sais pas si je vais faire le tournoi, hein. Alors il y aura, enfin, je vais vous expliquer tous les trucs qui vont changer, c'est quoi là, c'est, ok, ça c'est quoi, ouais, ça c'est, c'est mince, ben, c'est ouais, la même chose, ça c'est, d'accord, on te comprend, donc, ah, disons, je serais peut-être tenter de faire ça parce que du coup avec le sarcosuchus
Je vais faire lui, allez. Donc, je vais tout vous expliquer dans cette vidéo de ce qui va changer, parce qu'il y a des trucs qui vont changer. Du coup, ça fait un petit moment que je suis pas là. Enfin, que j'ai pas fait de vidéo, que je suis pas là. Que j'ai pas fait de vidéo. Ouh, il est puissant, c'est une Ceratops. Non, mais wesh. Il est plus fort qu'une Ezoris niveau 20, niveau 10. C'est quoi ce délire? En gros, il a pas de PV, hein. Ouais, c'est plus un. Bah, en fait, non, non, c'est totalement un Mégalosaure, quoi. Ou alors, ils ont changé ses stats? Attends, 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 attends. Ne me dites pas qu'ils ont changé ses stats. Et que du coup, j'en ai un plutôt fort. Non, c'est pas possible. Non, ils n'ont pas changé ses stats. 2739, on va voir. 1739. Non, ouais, en fait, oui, il a les stats comme que Megalosaur. Donc, non, il faut pas que je sois choqué. C'est totalement normal. Donc, on va. Tac. Donc, oui, il va y avoir des trucs qui vont changer sur la chaîne. Alors, c'est pas des nouveaux jeux ou des trucs comme ça. Enfin, ça va juste être le fait que. Ben, ça va être moins souvent les vidéos. Désolé. Comme ça, parce qu'en fait, je me mettais la pression et c'est ça qui m'a aussi fait que, enfin, qui a aussi fait que j'ai pas voulu faire de vidéo pendant un petit moment. J'en avais un peu marre. J'avais pas marre de YouTube, hein, non. Bon, j'ai juste commencé et même c'est une très bonne, c'est un très bon commencement parce que j'ai déjà pas mal d'abonnés. C'est bien. Ben, ça me mettait trop la pression et du coup je voulais plus trop faire. J'étais en mode allez, il faut que je tourne. C'était combien? C'était tous les 2 jours une vidéo. Ouais, alors là ce sera un peu plus. Il y aura des vidéos pour Noël, vous inquiétez pas. il fallait que je le dise ça aussi. Il faut. Non. Je reprends. Il va y avoir des vidéos dans un temps plus aléatoire. Il n'y aura pas une vidéo tous les 2 jours. Ce sera une vidéo tous les 2 jours, peut-être un moment, puis après ce sera une vidéo, enfin après ce sera 4 jours après, et etc. etc. Donc ce sera comme ça, Ah, je vais peut-être charger. Non. D'accord, bah t'es obligé de tout mettre si tu veux me tuer, ce qui m'arrange. Ouais, t'échanges. Ouais, ben c'est ça, c'est tout ce que je veux dire. Simplement. Voilà. J'ai quitté un peu YouTube. J'ai fait ce qui était bien de faire. Maintenant, on reprend tranquille. On reprend tranquille. Même Jurassic World le jeu, on reprend. C'est bien. Le nouveau Sinoceratops. Qui n'est plus nouveau maintenant. On le voit. Voilà. Allez, on va le voir. Ouf, 417. Allez. 1, 2, 3. Je tue en 3 coups derrière l'autre. Mais il me tue en 2 coups de tête. Je sais pas. Alors aussi, je sais pas quand cette vidéo va sortir. Donc, voilà. C'est ce que j'avais à dire aussi. Donc je vais faire comme ça, parce que sinon, parce que j'ai un peu peur. Et comme ça, s'il met tout, il tank. S'il met 3 parades, il meurt. Ou moins d'ailleurs. Et s'il m'attaque, il meurt aussi d'ailleurs. Bon, encore une notif. J'ai toujours pas pris le truc, mais en même temps, On va faire les 4 combats dans cette vidéo. Le combat de l'événement. Donc ouais, j'ai eu quelques petits problèmes. Ouais, mais non, mais je sens que je vais me répéter, que je vais dire pendant toute la vidéo là. J'espère que je vous ai pas trop manqué non plus. Que ça fait. Enfin, après, ça va faire une semaine que j'ai pas fini. Ouais, ça fait une semaine que j'ai. Une semaine et deux. Enfin, et 2 jours max. Voilà. Une semaine et 2 jours max, je pense. À l'heure où je tourne cette vidéo. Après, peut-être que ce sera plus tard. Si, je vous enverrai forcément plus tard, je vous l'enverrai peut-être demain, du coup ce serait samedi, parce qu'on est vendredi actuellement. Voilà.
Enfin bref, donc le Sarcosuchus. Enfin bref, on est de retour, quoi. Enfin, je suis de retour. Ne vous inquiétez pas. On envoie le guillemets avec le petit dimorphe. Derrière, il faut Sarcotani. Sarcotani, on prend. Ah oui, c'est vrai que du coup j'ai deux Prestosuccus, j'avais complètement oublié, j'étais un peu en mode bug. On va prendre Mastodonosaure. Voilà. Et là, Morphodon, il met trop d'ondes, Mastodonosaure. Contre une équipe, ma foi, pas excellente non plus. Aussi, j'espère que le tournoi, du coup, bon, si je peux le gagner, moi ça me va. Mais si je le gagne pas, franchement, je m'en fous. Mais alors, total, si je le gagne pas le tournoi. Parce que, ben, de toute façon, je mérite pas de pouvoir participer au tournoi, j'ai plus pas connecté à temps. Enfin, si, c'est vendredi, mais je suis pas connecté depuis une semaine, quoi. Donc ça fait un petit peu longtemps quand même. Allez, on y va. Par contre, j'ai arrêté pendant une semaine, mais j'ai toujours pas perdu les réflexes. Et ça, c'est bien. Comme disent les gens. Quand t'as appris à faire du vélo, eh ben tu retiens, mais pas pour moi. Parce que moi j'ai appris à faire du vélo, enfin j'avais appris à faire du vélo pendant, enfin il y a longtemps, j'avais appris à faire du vélo, mais ben je suis nul en vélo maintenant. En même temps, je tombais à chaque fois. Enfin, moi, en fait, le terrain d'entraînement c'était un parking, là où on pouvait faire du vélo, et c'était, enfin. Alors, il n'y avait pas de voiture qui passait, hein, mais c'était. Enfin, je tombais à chaque fois, il y avait des espèces de trucs et tout. C'était un peu bizarre. Donc, alors, désolé, il y a eu un truc un peu bizarre. Alors, j'ai cru avoir relancé l'enregistrement, mais en fait, non. Alors, du coup, il y a une ellipse. Alors, vous n'avez pas loupé grand-chose, j'ai remarqué ça très très vite. Il y a juste mon Dimetrodon qui a tué le Kentrosaur et le Zarcoscus qui a tué mon Dimetrodon. Il n'y a plus qu'une action, donc bon là j'en ai mis 4. Qu'une action peut être en charge, donc voilà. C'est tout ce que vous avez loupé, je suis désolé. Alors, je vais voir, voilà. Ouais, c'est bon, ça tourne du coup là. Je sais pas. Du coup, je sais même plus. Enfin, ouais, j'ai déjà dit avant, je sais plus de quoi je parle. Bon là, vous avez eu l'ellipse. Ben, désolé hein, pour ce petit désagrément. Mais ben bon, vous avez pas loupé grand chose quoi. Vous avez loupé un Kentrosaur et un Dimetrodon se faire péter la gueule. Alors voilà. Donc, derrière, t'as une action 223. 223. Donc tu vas pas me tuer. Tu vas pas me tuer en 3 coups. Non, je vais pas me tuer en 3 coups. Donc, 1, 2, 1, 2. Et ben, t'es très certainement décédé. Sauf si t'attaques pas et que ça peut être mal, mais en 3 actions je te tue. Bah t'es mort. Yes, aïe. Yep. C'est la mort du Tanicolagrius. Niveau 11. Boum. Au revoir. Je sais pas quoi. J'ai vraiment pas quoi dire quoi. C'est incroyable de pas savoir quoi dire. Et tout, mais ouais, mais. Il y a eu quelques petits trucs. Effectivement, il y a eu quelques petits trucs. Ok, bon là c'est gagné. Un labyrinthodonte niveau 326. Alors, si vous n'avez pas, s'il y a niveau 326, il n'y a rien derrière. Hein. C'est le jeu qui avait décidé de mettre des niveaux pour certaines créatures au-dessus. Si tu avais un niveau au-dessus, pour augmenter la diversité des espèces. Ce qui est un plutôt très bon truc. Donc là, on va pouvoir. Alors, il faudrait pas que je mette de l'hybride. Parce que comme ça, je pourrais le garder pour après. Parce que je vais faire l'événement après, ça c'est sûr. Mais en off-cam. Donc, j'aimerais bien garder les Troupéogoptérus et Hymenorhynque. Et par contre, je peux mettre du très fort. Ça, je m'en fiche, mais totalement. Donc, ben tiens. On peut mettre ça. J'ai l'impression que c'est du beaucoup trop fort, mais bon. Enfin, c'est surtout que j'ai l'avantage, quoi. Donc, ça va, ça me va, quoi. Ça arrange. Donc, ouais, j'espère que je vous ai pas trop manqué. Je redis encore une fois, pour si vous avez avancé la vidéo. Voilà.
Je pense pas, parce que bon, la vie, là, le titre, je vais faire un titre un peu guicheur, si j'ose dire. Avec le retour. Ouais. Je sais pas s'il me tue par contre là. J'ai un peu peur. Ok. J'avais un peu arrêté aussi les jeux mobiles. Ah quoi, oh j'ai un truc. Oh j'ai un truc à vous dire. Mais je vais d'abord terminer mon truc. Donc ouais, j'avais arrêté un peu les jeux mobiles. J'étais parti sur des jeux plus sur console, etc. Que du coup je fais pas de vidéo dessus. Et tout ça. Mais attention, truc spécial. Alors, ils ont sorti sur mobile, alors peut-être que vous savez déjà, parce que c'est quand même un jeu connu, ils ont sorti League of Legends Wild Rift. J'ai commencé à jouer. Voilà. Donc, alors, je dis rien. Je vais rien avancer, comme ça, ben, ok, toi t'es mort. Je vais rien avancer, comme ça, ben, vous êtes déçus, vous n'êtes pas en mode comme ça. Mais au pire, ouais, je vais faire ça. Dans les commentaires, il y aura deux commentaires. Il y aura, enfin, de moi, ce sera genre, est-ce que vous voulez enfin, non, il n'y en aura qu'un. Je mettrai, est-ce que vous voulez du League of Legends, Wild Rift sur mobile, avec mon skill extraordinaire. C'est faux. Mais je joue quand même bien, j'ai déjà trois mains. Donc, si vous voulez que j'en fasse, et ben j'en ferai. Mais bon, si vous voulez pas, je continuerai à en faire de mon côté, sans. En gros, ça va pas me gêner, quoi. Ça va pas me gêner d'en faire, ça va pas me gêner de ne pas en faire en vidéo. Voilà. J'irai m'exprimer. Donc, tac. Bon, ça, c'est simple aussi. Il faut juste pas utiliser d'hybride. Pour après, donc, Stigmloc. Quoique, bah non, pourquoi Stigmloc? Quand on peut prendre l'Apatosaure. Donc après Alpatozer, ah il faut que aussi que, ah je viens de remarquer, il faut que je garde pour les matchs genre du tournoi après, parce que je compte le faire bien sûr. Je sais pas si je le ferai en vidéo par contre, je pense pas, parce que là c'est la reprise donc c'est un peu dur de faire un tournoi en vidéo. Mais prochain tournoi je pense que je le ferai, voilà. Donc c'est Alpatozer après, avec le petit Prestosuccus. Le Blastoise. Oh oui. Et après, on peut mettre un petit Pterodactyl qui va passer tranquille. Tac, c'est parti. J'utilise du VIP parce que le VIP ça dure moins longtemps à utiliser. Enfin, ça. En gros, le temps de recharge des combats est moins long que une créature qui n'est pas VIP. Voilà. Maintenant, vous savez. Tac. Si, j'espère que ben, vous allez bien, voilà. Petits abonnés ou vieux ou nouveaux viewers. Si vous êtes nouveau viewer, n'hésitez pas à vous abonner et activer la petite cloche. Voilà. La pub est faite. Objectif réussi, faire de la pub. Pour soi-même en plus. Allez. Ok, tu m'attaques, ça c'est très bien. Comme ça, je peux garder la patosaure, parce que là, je vais échanger. Pour tuer le petit. C'est là, Tozor. Oh oui. Ah, du coup, ouais, le Zom Caryopteryx niveau 201. Incroyable. Hop, charger deux fois. C'est amplement suffisant de charger que deux actions parce que derrière, le Zom Caryopteryx doit mourir en 2-2. Et derrière, ben, c'est gagné. Et surtout que là, s'il ne m'attaque pas, et ben ça m'arrange. Ok, tu m'attaques, ça m'arrange pas par contre. Et ben, je vais charger avec la Patosaure et je vais mettre des actions en parade. Parce que peut-être que je peux le tuer quand même. Ce qui serait bien. Voilà. Je vous avoue que le tuer avec l'Apatosaure, ce serait nickel. Ah ben, il change. Donc, si tu m'as des attaques, ça m'arrange. Ok, ça m'arrange. Et c'est gagné. Hop. On va tout de suite changer. Tac, tac. Les 800. Enfin, 791 points de dégâts. Boum. Et boum. Je vais pas vous cacher aussi, avant de tourner cette vidéo, j'étais en mode est-ce que je tourne? Parce que ça fait un moment, je sais pas si j'ai envie de tourner, je sais pas si je vais être bien pour tourner, mais bon, au final, ça se passe quand même bien. Donc, ben, tant mieux. Ça va me redonner envie de tourner des vidéos Jurassic World. Et ben, c'est à peu près tout ce que j'ai à vous dire. Voilà.
Allez, les visactions de la pathosaure. Et là, du coup, c'est le troisième combat. Et encore un, et c'est la fin de cette vidéo. Et ben, ce sera la fin de la vidéo. Avec le petit paquet des... Enfin, c'est... Non, c'est pas un paquet. Enfin, tu peux avoir le paquet, mais c'est une roulette. Pour avoir... Ah non, c'est... Ah, c'était un combat. Bon, bah d'accord. Ça me va. Allez, qu'est-ce qu'elle me donnait ? Psophoderma, et ben c'est nickel, le psophoderma, parce que moi j'en ai besoin des psophoderma. Tac. Oh, en plus, c'est vrai, il y a SADN. Bon, on va mettre beaucoup d'ADN, on va mettre toutes les créatures. Tac. Psophoderma, voilà. Hop. Et psophoderma, j'en ai 3. J'en ai 2 niveau 10, une niveau 30. Et donc là, il m'en faut plus que une niveau 10. Et j'ai la psophoderma. Et du coup, très bientôt, première. Non, je vais pas appuyer sur ça. Bon, on va le décaler. Et bientôt, très bientôt, première. Enfin, premier hybride aquatique. Bah, du coup, ce sera extra rare. Ce sera le Dacosaurus. Parce que j'ai déjà le Daco. Non, c'est pas le Dacosaurus, c'est le Dacoderma. Parce que j'ai déjà le Dacosaurus niveau 40. Et du coup, psophoderma, il m'en manque une. Et c'est bon. Enfin, il faut que j'incube après, il faut que je l'évolue. Mais très bientôt, très bientôt, très bientôt. Donc, et ben, j'espère vous retrouver dans une nouvelle vidéo cette semaine encore. Du coup, ce sera... ah non, ce sera peut-être pas cette semaine, ce sera peut-être lundi. Parce que du coup, si je refais deux vidéos par... Enfin, si je fais une vidéo par deux jours, voilà. Et ben, ça me prendra... Enfin, ça fera ça, quoi. Et sinon, et ben, j'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez plus à vous abonner. Mettez un petit pouce bleu. Partagez si vous voulez sur n'importe quel réseau social. Voilà. Mettez la petite cloche. Mettez un petit commentaire si vous avez des questions parce que je peux peut-être vous donner des astuces. Et si vous avez des questions même sur si vous voulez savoir. Si vous voulez. Je sais pas comment dire. Je sais pas comment dire. Je sais vraiment pas. Je sais pas comment le dire. C'est un grand truc. Bon, j'en ai marre. Ellipse jusqu'à temps que je trouve. C'est bon, j'ai enfin trouvé. Si vous voulez savoir un peu plus sur pourquoi j'ai fait ça. Et sinon, et ben, c'est la fin de cette vidéo. Et donc, et ben, ciao !